Salut la team, salut à tous. Un petit coucou à la team belge, là je me trouve en Belgique aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle journée. Là je vais me diriger sur Nivelles, Nivelles Sud. J'ai un client à aller charger là-bas. Bon, j'espère que vous allez bien la team, hein, que le confinement se passe bien. Ou c'est terminé pour vous, je ne sais pas trop quand la vidéo va sortir. Alors vous voyez là, je me trouve dans des rues où il y a des travaux. Hein. La rue elle Après est en, 200 mètres, en sens unique. Il y a toujours des travaux dans cette rue là en ce moment. Là, je sais pas ce qui bouine par ici là, mais c'est toujours barré. C'est un peu le bordel pour venir chez le client. Il faut faire tout un contournement. Pour repartir, ça va, mais pour y aller, c'est un peu la galère. Plus ici c'est un peu le bordel parce qu'il y a des camions qui viennent charger. C'est DHL ici, hein. Vous avez vu, il est de chaque côté là, puis avec les travaux et tout là, c'est un peu la galère. Bon, j'espère que cette petite vue là en super view vous plaît bien. J'ai pris une vue large, une vue super view, ça s'appelle en POV. Il y en a beaucoup qui aiment bien, hein, donc on continue sur notre lancée. Hein. Je m'en doutais qu'il ferait demi-tour sur place, lui. Je sais pas pourquoi, mais je le sentais bien. Il y a des travaux partout ici.
tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Oui, Sophie. Alors, vous avez vu, hein, c'est mon GPS TomTom. Hein. Je suis toujours avec le GPS TomTom. Vous avez toujours hein, le code de réduction là, de 20%. Je vous mettrai le lien en description hein, sur le bas de la description de la vidéo. Parce que le code de réduction est valable jusqu'au 31 mars 2021. Donc vous avez jusqu'au 31 mars 2021 pour avoir une réduction de 20%. Hein, ça vous fait le GPS TomTom à 359 €. Hein, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Donc profitez de cette promo. Allez jusqu'au 31 mars 2021, la team. Donc je vous mets la description du GPS TomTom 6250 Go après Professional. 400 mètres, tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Avec son système de mise à jour Wi-Fi. Tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Tout droit, tenez la gauche. Avec sa carte SIM intégrée aussi. Comme ça, vous avez les infos en live sur ce qui se passe sur la route. Les bouchons, les accidents, les retards prévus, il vous indique tout. Vous n'avez même pas besoin de votre téléphone, vu que la carte SIM est à l'intérieur du GPS, il n'y a pas d'abonnement non plus. La direction de Namen, Luink, Leuven. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Belgique, je suis dans la périphérie de Bruxelles. Ah, j'ai des abonnés là en Belgique. Bon, vous avez le jeu concours, hein. Vous pouvez toujours aussi gagner le GPS poids lourd, hein. Le même que j'ai là. Et il a une valeur de 450 € et vous pouvez toujours le gagner en jeu concours. Hein. Il suffit de laisser un commentaire sur la vidéo du GPS TomTom. Hein. Vous allez sur la vidéo du GPS TomTom et vous laissez un commentaire hein, sur votre plus après belle. 800 mètres, tenez la gauche. Sur votre plus belle anecdote en camion. Hein. Ou sur la route hein, des vacances par exemple hein. Vous mettez une anecdote qui vous est arrivée, que vous vous souvenez ou qui vous a marqué. Chez moi bah, par exemple vous avez oublié la belle-mère sur l'autoroute sur un air d'autoroute tenez et vous la l'avez gauche, puis tout droit tenez la gauche. Vous l'avez oublié, vous en êtes aperçu au bout de 300 km par exemple hein, c'est un exemple. Vous avez été, je sais pas moi, visiter les falaises d'Etretat et vous avez pris votre femme en photo, vous lui avez dit de reculer et elle est tombée dans la falaise, par exemple. Tout ça, c'est des anecdotes. Non, je rigole. Hein. Enfin, si vous avez des anecdotes sur la route ou sur les vacances ou sur ce qui vous est déjà arrivé, hein. Mettez-le en commentaire, hein, vous pouvez toujours gagner, hein, c'est jusqu'au 15 décembre, hein, le tirage aura lieu
le 15 décembre, bah disons que c'est pas un tirage, hein, on aura regardé déjà qui c'est qui aura lu le plus beau commentaire avec le plus de likes. Hein. Tout droit, tenez la gauche. Parce qu'en fait, il faut regarder aussi les commentaires et les likes qu'il y a eu sur les commentaires. Et ensuite, cette personne sera contactée par TomTom. Et on fera un live et on annoncera le nom de l'heureux gagnant ou de l'heureuse gagnante. On ne sait pas encore, ça peut être une femme, hein, ça peut être n'importe qui de toute façon. De manière à ce que vous ayez votre GPS poids lourd pour Noël, ce sapin, même si vous l'offrez à quelqu'un, c'est toujours un beau cadeau. Et si vous ne le gagnez pas, vous pouvez toujours l'acheter hein, avec le code de réduction de Routier 20. Vous avez 20%. Après 800 mètres, tenez la gauche. Et vous pouvez regarder sur n'importe quel site internet, vous ne le trouverez pas à moins cher que avec le code promo que je vous ai laissé. Alors profitez-en parce que ça dure que jusqu'au 31 tenez mars. La gauche. Donc voilà la team. Et c'est pour ça que j'ai fait ça avec, pour vous là. J'ai accepté le parrainage avec TomTom. Hein, pour vous faire profiter un peu de tous ces avantages aussi. Donc là je suis à 40 km là, de chez mon client. Vous avez vu, il fait gris. Hein. Mais bon, ça va. Il pleut pas. Il fait pas froid. Ah, il fait 13. 13 degrés. Bon, j'essaye de pas trop bouger la tête de manière à ce que vous ayez pas trop le tournis. Mais bon, ça a l'air de plaire la vidéo comme ça. Donc, j'en fais quelques-unes. Bon, j'en ferai des normales aussi, hein, avec la vue sur le pare-brise. Vous inquiétez pas. Il en faut pour tout le monde. Ah, ça ralentit par là. Alors vous voyez là, il m'annonce 3 km 400 de bouchons restants, 4 minutes 10. On arrive dans une zone de travaux, c'est pour ça. Regardez, je vais me rapprocher un petit peu du GPS là. Voilà. Il y a un rétrécissement de voie là, c'est pour ça que ça bouchonne un peu. Je pense qu'il y a des bouchons, il y a des, comment, des radars dans les zones de travaux, il faut faire attention aussi ici. Là ils sont en train de refaire un peu les autoroutes là, je sais pas ce qu'ils font là, en même temps ils aménagent des ponts, je ne sais trop quoi. Là j'arrive à la sortie Tervuren Armen.
Bon, on se retrouve après les bouchons, là, ça sert à rien que je filme pendant les bouchons. Après 800 mètres, tenez la gauche. C'est pareil, là, il y a quelques abonnés là qui me demandent où je travaille, si on embauche, si je connais pas des boîtes de transport. Bah, vous savez, la team, moi je fais des vidéos, hein, je suis pas là pour. Je ne travaille pas à la NPE. Hein. Donc c'est pas moi qui va vous donner du travail. Pour ça, il faut que vous voyez avec vos agences d'emploi. Hein. Il y en a quelques-uns aussi qui essayent d'avoir mon numéro de téléphone ou pour que je puisse contacter certains abonnés. Vous savez très bien qu'on est plus de 5500 sur la chaîne. Je vais pas donner mon numéro de téléphone aux gens pour être embêté tous les 4 matins. Donc voilà, c'est pas la peine de me demander pour du travail ou me demander sur Messenger ou sur Facebook, est-ce que tu peux nous donner ton adresse, ton numéro de téléphone, est-ce que tu peux nous trouver du travail. Non, moi je suis pas la NPE, je fais des vidéos la team, je suis pas là pour vos problèmes quotidiens, on va dire, j'ai assez des miens. Donc là, c'était juste un petit point que je voulais dire parce que j'ai souvent des appels, souvent des messages comme ça là. D'ailleurs, je réponds même plus. Hein, je réponds pas aux commentaires ou aux gens qui me demandent ce genre de choses. Un peu hein. Là ça y est, on arrive pratiquement à la porte de l'hiver là. Il n'y a pratiquement plus de feuilles sur les arbres, il n'y a plus que les squelettes. Vous allez me dire, ah ouais mais Dion, tu fais beaucoup de vidéos sur la Belgique. Bah, c'est normal, hein. Moi je me base dans les Hauts-de-France, donc on est souvent en Belgique. Hein. Je suis souvent en Belgique, je suis souvent aux Pays-Bas aussi. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de vidéos sur la Belgique et sur les Pays-Bas. Si je me situais sur Lyon ou le centre de la France, vous auriez peut-être plus de vidéos sur le sud de la France, mais là c'est pas le cas la team. Ah oh, puis nos amis belges sont contents, ils voient leur route et leur village en vidéo. Je suis content. Moi j'aime bien la Belgique, hein. C'est sympathique aussi. Hein. Prendre la sortie Genappe. Là, on se trouve en Wallonie. Prenez la sortie, puis tenez la droite. Donc
prends la nationale 27, Genappe, Braine-l'Alleud. La butte du Lion. Après 200 mètres, tenez la droite, puis prenez la deuxième à droite. Tenez la droite, puis prenez la deuxième à droite. Waterloo. Après 400 mètres, tournez à droite, puis traversez le rond-point. Tournez à droite, puis traversez le rond-point. Moi, je suis comme vous, la team, hein, je découvre. Après 100 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Oh, je suis déjà passé par là. Ça me dit quelque chose, après le coin. 80 mètres, traversez le rond-point, première sortie. Traversez le rond-point, première sortie. Genappe, Charleroi. Il y aurait bien du radar par là parce que je vois que c'est des limites à 70 là. Alors là, la team belge, à mon avis, ils vont nous laisser des commentaires. Ils vont nous dire un petit peu où on se trouve. La Saline Restaurant. Victor Hugo.
la petite ferme là, avec les bœufs là. Là on est dans la campagne belge. Prendre la sortie, mais c'est la première ou la deuxième? C'est la première. Prenez la sortie. Donc là on arrive à Nivelles Sud. On est à 4 km de chez mon client. Direction la Louvière, Nivelles Sud, zone 1 et 2.
on va arriver. La rue se trouve à 700 mètres d'ici. Là, je me trouve dans une zone industrielle. Bon bah là il doit y avoir un centre routier, quelque chose comme ça ici là je pense. Parking logistique. Ah, ça me dit quelque chose ici. Je suis déjà venu par ici. Daily France. Je me demande bien si je suis pas venu chargé par ici, moi. Parce que le parking me dit quelque chose. Après 200 mètres, tournez à droite, puis vous êtes arrivé. Ah oui, ça y est, je suis déjà venu ici. Tournez à droite. Je suis déjà venu ici. Vous êtes arrivé. Allez, c'est reparti la team. On a été chargé. Retour à la fin France. De la route, tournez à gauche. Oui, un bâtiment tout neuf là, en construction en face là. Tournez à gauche. Je pensais que j'étais déjà venu, mais non. Agora. Alors là, il y a une usine. Je sais pas ce que c'est au juste. Ça doit être l'usine. Je sais pas. Il y a marqué Joseph Group. Mais il y en a qui attendent sur le parking là. Donc, à mon avis, il doit y avoir quelque chose pour charger ici, là. Après 200 mètres, tournez à droite. Just Group, Joseph, moi je dis. Just. Tournez à droite. Vous êtes bien sur la chaîne de Mister Routier 60, hein. N'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Après 800 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie.
tu verras en description, je te laisserai le code de réduction de moins 20%. Le code de routier 20 pour si tu veux acheter le TomTom. Celui-ci. Et n'oublie pas, hein, le concours est ouvert jusqu'au 15 décembre et la promo jusqu'au 31 mars 2021. Récupérer l'autoroute là, direction Mons. Récupérer la nationale 27. Après 800 mètres au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie, puis tournez à droite. Ah, vous avez entendu Sophie? Centre commercial, la Decathlon, Quick Drive. Alors je sais pas si les magasins sont ouverts en Belgique, il y a l'air d'avoir du monde quand même. Donc là, après, je me trouve à 300 mètres, tournez à droite. Je me trouve à Nivelles. J'ai récupéré la E19 là pour mes abonnés de Belgique. Ils doivent connaître le coin là. Ils doivent voir certainement où je me trouve. Je leur fais un petit coucou à la Belgique, à mes abonnés, à la team belge.
Après 600 mètres, tenez la gauche. Moi, faut que je me mette à gauche, mais ils sont bien gentils. Mais... Vous avez des éoliennes. Sortie imminente. Ah mince, je sais pas s'il fallait. Non, c'est bon. Je pensais que je m'étais complètement planté, je pensais que c'était la voie la plus à gauche qu'il fallait prendre. Heureusement que j'ai regardé sur le GPS l'indication, parce qu'autrement je me trompais de route. Il commence à pleuvioter là sur la Belgique. Hein. Bon bah écoutez la team, hein, cette petite vidéo là, j'espère qu'il vous aura plu. La Belgique se termine là. J'étais sur Nivelles, Nivelles Sud. Donc c'était la chaîne de Mister Routier 60. N'hésitez pas, likez, partagez. Un max de pouces. Allez, bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.